fin de notre entretien. Mmh. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, mais en tout cas, moi, de mon côté, je vais remercier les gens qui, n'est-ce pas, qui n'arrêtent pas de m'exhorter, de m'encourager, les gens comme Fala Matondo ou Chef Betoko, je dirais, et d'une image, parce que si nous avons aujourd'hui aussi quelques images en Europe là-bas qui passent, et c'est grâce à lui. Vous voyez? Donc, Fala Matondo, bienvenue, ou Karine Eyanga, c'est les gens Roma et Berke Foudianga, c'est des gens qui n'arrêtent pas. Fisquer les genoux bêtes, vous voyez celle qui vous piche elle est là, elle s'occupe que de ça, que le beignet, et il y a Chantal, ou comment il s'appelle, Chantal qui s'occupe que des brochettes, et servir de gauche à droite, Maman Malé, qui est aussi là, et Mbeya, Fisquer les deux, tous ces gens-là, vraiment. Je les remercie infiniment, je n'arrêterai pas. La liste est interminable. Voilà comme je voulais. Vous voudriez remercier également Maman Rosita, Maman Rosita qui est votre épouse, qui vous épaule dans ce travail-là, qui vous accompagne. Mais je suis tout de parce que c'est Dieu qui me le rappelle. J'ai besoin ma côté de moi derrière, Maman Rosella, je vais me faire flotter les oreilles là, franchement. Un petit coucou, franchement, ça je n'oublierai jamais. Ouais. C'est la mienne. Ok, merci. Oui, je dirais que ce sont des actions encouragées. Et moi, je fais appel aussi à un autre ministère, le ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Et surtout au ministère des Affaires sociales. Surtout aussi au ministère des Affaires sociales. D'essayer un peu de faire un petit tour dans des écoles, voir comment, dans quelles conditions nos enfants étudient. Eh bien, coup de chapeau à vous. Et espérons qu'il y aura encore d'autres personnes qui vont suivre votre exemple pour venir épauler un peu les conditions de vie, des études de nos enfants ici. Il faut qu'on voit. Alors, il y a M. Didier Mbilanzila qui vient de Kikwitz. Il a ses affaires à Kikwitz, mais il est à Kinshasa pour le moment. Monsieur Dodi Botetardo, qui nous suit, c'est votre agent ici, tout ça. Voilà, je salue d'ailleurs. Il y a aussi Monsieur Doudou Makout, Monsieur Alphonse Mavola Eriki Madaka à Paris, Mère Renaud de Paris, Mère Renaud de Baki de Paris, ainsi que Monsieur Esaïe Kouyena, le prophète à Paris également, le couple Roger Vunda Emmanuel qui est à Paris. Vraiment, qui vous félicite pour ce genre d'initiative. Et ils nous disent que dès que vous rentrerez à Paris, vous pourrez avoir leur soutien. Ah ben ça c'est des promesses qui nous vont vraiment de bon cœur. Okay. Merci beaucoup. Merci. Alors nous allons souffler un peu. Nous allons prendre affaire d'État dans le cadre.